Pourquoi tu prends Vel'Koz pour counter Xerath? Je prends pas. Oh, je compte Mew. Arma Mew. Je prends pas Vel'Koz pour counter Xerath. Je prends Vel'Koz parce que. C'est la première game de la journée. J'ai envie de jouer un pick confort. Bon, allez, première game. Important de suivre le mec en face pour que l'invade se passe pas trop mal non plus. Ok, prochaine wave, on a le. Le Lost Chapter, vu qu'on a récupéré un kill. Parfait. On va essayer de back sur ça. Lost Chapter pink à 3,40. Et lui, il va galérer à push la prochaine vague. On est plutôt pas mal. Il veut pas niquer sa mère à prendre du farm au mid, lui. T'inquiète pas. Si t'es abonné, t'es dans le compteur, c'est le plus important. Elle a encore son air. Ça change rien, elle est nulle à chier.
fils de pute de Gnar qui a préféré ulti et les sortir de mon E. Je faisais Pinta. Oh, il est trop con le Gnar. Hein. Un allié a été tué. Thank you for your contribution. Secondes de flash. Fais du bien, Mew. Je vais laisser farmer à Tristana pour qu'elle finisse son dernier item. Plus important sur elle que sur moi. Les AD carry ça scale sur les items, les AP carry ça scale plutôt sur l'XP et sur les levels. En fait, un AD carry ça a besoin d'items pour faire des dégâts.
Un AP carry, t'as besoin de tes power spike en termes de level. Genre, tes sorts font beaucoup de dégâts. Alors ça scale un peu avec les levels aussi, hein, c'est sûr, mais... Disons que quand t'es niveau 16 avec un AP carry, souvent ton ulti peut vachement faire la différence, quoi. Oh, ils sont pas d'AD carry, ils sont faire cette fight, je sais pas quoi faire. Je suis un monstre. Ils vont se le faire style. C'est vraiment les pires singes. J'ai vraiment pas d'équipe, hein, c'est incroyable. T'as ton flash, gros. Hein.